السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يتضمن أسئلة ديال la restitution de connaissances sur QCM qui va porter sur la méiose et les lois mendelian. دونك هاد التمرين هذا تيهم تلامذ علوم الحياة والأرض option PC bien SVT et même les sciences smart Alif. Donc on commence par la première question d'un soal l'oulana. Définissez division réductionnelle croisement test sur une point. Donc la division réductionnelle mon kan atou bzaf dial ta'arif tiela. Nbdaou bel asel, c'est la première division de la méiose qui va donner deux cellules haploïdes. Ou bien, on peut dire que la division réductionnelle est une division qui permet la réduction du nombre de chromosomes d'une cellule qui va passer de l'état diploïde à l'état haploïde. Donc, croisement test, c'est un croisement réalisé entre un individu de phénotype dominant avec un individu de phénotype récessif dans le but de vérifier l'indépendance ou la liaison entre deux gènes. Donc on va aborder maintenant la deuxième question. Pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production le couple ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Et dans les parenthèses, vous allez dire 1 ou la quinte A, c'est A. Et la quinte B, et dans le tar, le harf, c'est A. Et dans les chromosomes de la prophase 1. Ou bien le chromosome de la prophase 1 est formé de deux chromatides en condensation, d'une seule chromatide condensée, de deux chromatides décondensées, d'une seule chromatide décondensée. Donc la prophase 1, chaque chromosome est formé de deux chromatides qui sont condensées. Donc pour 1, la question 1, c'est A. La question 2. Le crossing over est un phénomène qui se déroule au cours de la métaphase 1, la métaphase 2, la prophase 1, la prophase 2. Donc le crossing over se déroule au cours de la prophase 1. C'est Yalasheha. Pour deux, c'est. Alors, pour la troisième question, à partir d'une cellule mère à 2n chromosomes, et suite à la division équationnelle, les cellules filles conservent 2n chromosomes, nakhata, reçoivent n chromosomes suite à la séparation du chromatide de chaque chromosome, donc sahiha, donc 3b. Alors, pour la quatrième question, le cycle de développement diplophasique est caractérisé par les sciences smart alif, une phase à un chromosome qui se limite au gamète. C'est donc 4A. Recopiez sur votre feuille de production la lettre qui correspond à chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles, vraie ou faux. Donc, la première suggestion, A, la méiose dans des cellules haploïdes dont le nombre de chromosomes varie d'une cellule fille à l'autre. Le nombre de chromosomes juge bien. Donc, A, faux. Alors, B, la méiose permet de conserver la formule chromosomique de la cellule mère. Donc, la méiose, c'est une division qui permet de réduire et non pas de conserver. Donc, B, faux. Donc, c'est la fécondation
permet la diversité génétique des cellules œufs. Oui, vrai. Les cellules somatiques chez les individus diploïdes sont caractérisées par un nombre stable de deuxième chromosome. Oui, c'est vrai. Alors, un autre, les différents quoi? Les différentes phases. Recopiez sur votre feuille de production le couple 1, 2, 3, 4. Voilà. Et adressez à chaque phase de la méiose du groupe 1 la lettre du schéma lui correspondant. Bon, pour anaphase, il va y avoir anaphase 1, migration du chromosome et d'un radis Hajro, le tige lactable ou daimen, ils sont formés de deux chromatides. Donc pour 1, il y a B. Alors pour 2, télophase. La télophase, on va y avoir télophase 1, formation de deux cellules filles avec présence d'un sillon de division. Et d'un IA de 2, D. Métaphase 1. Donc, il y a métaphase 1. Ça correspond à A. Donc, les chromosomes homologues sont de part et d'autre de la ligne médiane. C'est mon dao. Pour la prophase 1, on a les tétrades. Les tétrades. Donc, il y a C. Donc, pour 4, C. Pour 3, c'est A. Pour 2, c'est D. Et pour 1, c'est B. Il est un peu tout faire, Inch'Allah.